qui est aussi un de ces animaux qui devient un personnage populaire, qui fait l'objet de brochures et d'une curiosité, je dirais, du peuple, une curiosité populaire au sens plein du terme. Après la Révolution française, on projette sur l'éléphant des qualités plus ou moins républicaines, disons. L'éléphant est un animal qui est sociable, l'éléphant aime la musique. Donc l'éléphant ressemble quelque part à une sorte d'idéal républicain. Il est évident que c'est comme ça une présence très très forte d'un animal qu'on ne peut pas facilement aller voir et qui nous renvoie à quelque chose de l'animalité qui n'est pas nous, qui nous renvoie à un monde qui n'est pas nous. Je pense que clairement, le fait que ce soit une paire d'animaux, on a voulu en faire un couple, ce qui n'est quand même pas la même chose. Il y a eu cette fantasmatique du couple d'éléphants et c'est très important, ça fait partie de la projection. Non seulement l'éléphant serait républicain, mais bien sûr, il est sensible à l'amour. C'est-à-dire c'est l'animal du 18e par excellence parce que sa sensibilité le rend tout à fait exemplaire pour le grand public à ce moment-là.